Alors, ce qui m'a amené à Rio, déjà, c'est que j'ai fait un échange universitaire quand j'étais à Corte. Alors, là, je suis toujours étudiante, je suis toujours en master de commerce international. Et là, je travaille, en fait, pour une agence immobilière de luxe qui s'appelle Rio Exclusive. Et donc, on a des biens, là, comme ce penthouse, là, qui est entre Copacabana et Ipanema. Donc, vous voyez, vous pouvez voir la vue quand même assez incroyable. Donc, c'est un cadre quand même sympa de travail. Et notamment parce que le marché de l'immobilier aussi ici est très intéressant. Là, on est en plein, ici au Brésil, vraiment, c'est vraiment le lieu idéal d'investissement. Alors bien sûr, tout le monde sait que la situation économique et politique est très instable ici au Brésil et qu'il y a une réelle misère humaine, quoi, et une violence quand même. Mais vraiment, je le conseille parce qu'ici, les gens... la culture et le peuple brésilien est vraiment très ouvert. C'est vraiment plus une ville pour les jeunes parce qu'il y a des fêtes tout le temps. Le quartier que je fréquente vraiment à Rio, c'est Ipanema, Leblon et Copacabana un petit peu, mais c'est vraiment Ipanema et Leblon qui sont vraiment mes quartiers favoris parce qu'il y a plein de fêtes tout le temps et même, enfin, je veux dire, c'est très tranquille, c'est très sécurisé. Ce sont des quartiers vraiment cool. Venez au Brésil. Je pense que je vais y rester un petit peu au Brésil parce que j'aime vraiment beaucoup cette culture et maintenant j'ai aussi une vie, des amis et voilà, j'ai un travail aussi. Mais je pense que je reviendrai quand même en Corse plus tard et je trouve ça assez intéressant, voilà, même pour les jeunes qui veulent venir et qui ont des projets, le projet de partir à l'étranger, vraiment je les encourage à le faire parce que je pense qu'en Corse on a besoin de profils compétents comme ça. Capable de s'adapter dans un environnement multiculturel et c'est vrai que rester là pour l'instant à Rio c'est pour moi certain, mais revenir en Corse ça l'est aussi. Voilà, faut partir pour mieux revenir.